réponse. Ça, les médias n'ont pas besoin de savoir. Imaginez-vous les répercussions politiques si ça se savait. Certainement, monsieur le ministre, on obéit dès qu'on soit les ordres. C'est un véritable génocide. Oui. Merci, monsieur le ministre. Il y a des centaines de gens dans la ville, des centaines d'innocents qui attendent d'être sauvés. On fait preuve de paresse. Il doit pas y avoir un moyen. Non, justement, on a déjà tout essayé. Les militaires qui s'y rendent reviennent pas. Nos hommes ne pourront pas contenir la quarantaine pour toujours. C'est pas avec des tanks qu'on va aller sauver ces gens-là. C'est avec une seule personne, un insider, qui va pouvoir s'infiltrer sur le terrain. Ça sert à rien, Nel. J'ai la personne qu'il vous faut. Il est prêt à prendre des risques pour aller chercher les survivants. Je viens de vous dire, ça sert à rien. Un communiqué de presse a été envoyé aux médias. Sur papier, les habitants de Fort Vince sont déjà tous morts. Dans 24 heures, on envoie les gaz, Nel. Bel essai quand même. Je vois que c'est des mauvaises nouvelles. Est-ce que c'est nécessaire que j'y aille quand même? Si vous croyez que des survivants, on n'a pas le choix. Je compte sur vous pour ramener tous les survivants de Fort Vince. Quoi d'autre? Chez Roy, on se voit tous les mardis. Ah, hey, que je te place. Allô? Vide une vue au cinéma? Si on veut, ouais. Fille, c'était le fun. C'était en allemand? Allemand. Vous êtes pas au courant, hein? Ah, Liepin. Tom, enchanté. On entend beaucoup parler de vous en ville. Ouais, l'armée du village. Moi aussi, j'en ai entendu parler. Paraît que c'était un fou, lui. ma maison est à 2 minutes d'ici. Vous allez venir vous reposer un peu. Vous avez l'air pas mal essoufflé. OK. Et vous, monstre, coudonc! Mia? Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est ça, là. J'avais hâte de te le montrer. Ben, mon costume d'elfe. T'es vraiment belle. Mia? Je voulais te dire, tu sais, je sais que t'es un chum, là, pis tout, mais... Je suis bien avec toi. Hey,
Si j'avais su que... je sais pas... t'existais avant... si... si j'avais su que... Je vous ai fait un bon petit lunch. Il paraît que je suis pro des sandwichs. Puis... Vous savez pas ce qui s'est passé en ville aujourd'hui, hein? Il y a eu une invasion de cerveaux jaunes à tentacules. Ouf. Ouais, c'est vrai que c'est la première fois qu'on dit voix haute. On a trouvé ça dans une vieille boîte au supermarché Roy. Ça venait avec tout le Bataclan. Oh! Evolutionär Stadion der Kreatur Zeit und Steißen großer Aggressivität sowie mit Anschleichen ohne Ende. J'avais 6 ans quand j'ai commencé à travailler pour eux. Qui ça, eux? Au début, je croyais que c'était une petite jobinette pour aider mes parents. Vous êtes arrivé d'Allemagne? Non. Oui. Où voulez-vous? Il y a du monde coche partout. Un jour, il y a un riche promoteur qui a construit un petit village dans une région isolée du Québec. Difficile d'accès. Puis là, ils ont construit des tunnels souterrains. Ils ont convaincu les habitants des villes avoisinantes de venir y habiter, en leur promettant des terres. Ah, c'est exactement comme au Moyen-Âge. Oui, il y a des seigneurs qui accordaient à des paysans des terres en échange de taxes sur des récoltes ou l'or. Ah, sauf que dans ce cas-là, les gens payaient un autre genre de taxes. Le passé nous rattrape toujours. Mais quand vous dites « eux autres », sont-tu toujours là? Will Roy, ça veut-tu de la parenté avec Madame Roy? Will Roy? C'est lui le responsable des cerveaux. Son charisme était... Mais là, y a-tu quelque chose là-dedans qui peut nous aider? Oh. Oh, ça parle de lumière forte, ça parle de... parasite, cerebellum. Tentaculus se désagrège après 37 minutes, 32 secondes à l'air ambiant. Monsieur Pain? Elle est là sur moi. Je prends pas de chance. Il est correct, Mia. Faut qu'on y aille. Allez, Mia.